Et salut, c'est Cébus. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça y est, la DLC Australie est sortie, ainsi que la mise à jour. Je fais une dernière finition d'un truc qu'on s'en fout complètement. C'est juste histoire de dire que... voilà. Alors, je savais pas trop comment présenter parce qu'il y a masse de produits à mettre en avant. Comme dirait un vendeur de chez Darty. Il y a masse de choses à... Ils ont vraiment fait un sacré boulot. Donc, alors déjà, niveau clôture, vous vous doutez que rien de nouveau. Rien de nouveau. Par contre, niveau habitat, ce qu'il y a de nouveau, on a, hop, un arbre, certainement un koala, un distributeur d'eucalyptus. Donc ça, ça va être à mettre pour les koalas. Ensuite, bon, bah du coup, vous avez des abris sur la thématique australienne. Du coup, ça vous spoil un peu ce qu'on va trouver dans les constructions. Voilà. Ensuite, on a une corde que j'ai pas vue. Si, là. Là, je l'avais mis. Donc, la corde, normalement, elle va pour tout ce qui est dingo, donc c'est spécifique pour les dingos, pour qu'ils puissent s'éclater avec ça. On a la machine à bulles, voilà, machine à bulles, c'est spécifique pour les dingos aussi. Bougez pas. Voilà, machine à bulles. Et une magnifique piscine. Exactement aussi, je parle bien la France, pour les dingos. Voilà pour ce qui est des habitats. De toute façon, vous inquiétez pas, on va aller mettre des animaux dedans. J'ai fait une décoration sommaire, un truc rapide, bref. Niveau nature, on a donc, et c'est là que ça va commencer à être intéressant, on a des eucalyptus, donc voilà, pour nos amis les koalas, on va pouvoir faire des enclos à koalas, je ne vous dis que ça. Ensuite, on a, oh, ils sont magnifiques ceux-là, ils sont, waouh, je kiffe, ceux-là sont superbes, les gommiers, ils sont, waouh, ensuite, de l'herbe porc-épic en différentes tailles, bien évidemment. Donc ça, ça va pouvoir... Ah, et il y a en différentes teintes. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Regardez, ils ont rajouté un logo. Pour situer la taille. D'accord. Ça, c'est pas mal aussi. Alors ensuite, on a un jeune gommier. Des palmiers cuillères. Alors, les palmiers cuillères, c'est ça? Ah ouais. Palmiers cuillères. Dans différentes tailles. Ensuite, ouf, ça s'appelle un stringy bark. Ah ouais. Donc, on a encore du gros arbre. Ouais. Et ça, ça va encore aller rajouter à ce qu'on peut faire. Ensuite, on a... Ah, en roche, il n'y a rien de spécifique. Ah, c'est marrant. Bizarre, ça. Et en fleurs, rien de spécifique. Vous permettez que je vérifie quelque chose? C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas... Ah, roc du désert rouge, du désert rouge. D'accord, ils sont pas foulés là, hein, pour faire... le... Voilà, savane, et ben désert rouge, c'est ça. Ok. Logique, logique qu'il ne soit pas cassé la tête. Ensuite, au niveau des services, logiquement, on a quelque chose de nouveau. On a, alors ça, on va aller la mettre sur un chemin, vite fait, on a nouvelle poubelle. Qui est pas mal, qui peut, si on peut, éditeur de couleurs, vous voyez, si on fait ça, ou ça, elle peut passer, c'est pas mal. Elle peut sortir du thème Australie, en fait. On a un magnifique banc, pareil, qui il pourrait sortir. On a table de pique-nique. Ah, vraiment sympa, la table de pique-nique. Et le petit parasol qui va avec. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout. Service aux visiteurs. Ok. Finance. Ah oui, c'est pas propre. Ah oui. Là, on est sur l'Australie. Si je fais ça, voilà. Voilà ce qu'on voulait.
Voilà les nouveautés qu'on attendait, c'est les distributeurs. Et regardez, vous pouvez les placer comme vous voulez. Eh. Il y en a pour tous les goûts, hein. Street coffee, il y a à manger, il y a à boire. Ah, écoutez, c'est franchement, franchement, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal du tout. Utilitaire, on n'a rien de neuf, je suppose. Dispositif d'affichage, évidemment, rien de nouveau. Alors, hop, on remet pack Australie. Voilà, rien d'autre. Construction. Alors là, j'ai été jeter un coup d'œil. Vous voyez, je viens de faire tout défiler. Monstruosité monstruisante. Alors, déjà les clôtures. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Et ça, je kiffe. On va pouvoir avoir encore beaucoup de possibilités. Ça, pour faire des... Ah, ça va être pas mal du tout, tout ça. On va... Alors, les nouveaux murs, voilà. Comme ça, ils vont nous permettre de poser certaines choses. Alors, si on va dans l'éclairage, on a donc un lampadaire solaire, visiblement. Alors ça, il est assez original. Est-ce qu'on peut lui changer les couleurs? Tout à fait. Eh ben, je peux vous dire qu'il va être utilisable un peu partout. Ensuite, en applique murale, on a un truc. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc... Normal. Ah voilà, regardez, automatique, désactivé, automatique, permanent. Ça c'est une des nouveautés qui était prévue. Et ça, eh ben, c'est pas mal du tout, vous voyez, si on fait éclairage activé, logiquement, la lumière elle est activée. Automatique, elle est éteinte parce qu'il fait nuit et on l'éteint, voilà, si c'est un élément de décor. Ça par contre, lumière koala. Non, qu'est-ce que c'est que cette adrie? Ah c'est mignon. Une lumière koala. Eh ben. Pourquoi pas. Ensuite, niveau des enseignes. Alors là, je crois que c'est un des... C'est un des plus gros trucs du machin. On a une magnifique plaque pour le Krakoar, je sais pas quoi, à plaque. On a différents trucs dingo. Ah, c'est pas mal. Le kangourou. Le koala. Alors le koala, il est classos. Hein. Il est classos, regardez. Regardez ça, c'est pas mal. Hein. Hop, on a le 5 à langue bleue. Ensuite, alors, des carrés décoratifs. Alors ça, ça va pouvoir nous servir peut-être pour faire... ouais, c'est pas mal. Les fameux road signs. Alors ceux-là, celui-là, kangourou, koala, générique planète coaster. Alors ça, c'est pas mal du tout. Et Australie recyclage, ça, si on veut faire un centre de, d'éducation, ça c'est excellent, c'est excellent. Ensuite, alors, le truc c'est que j'arrive pas à voir, c'est bleu, toujours bleu, on doit pouvoir changer les couleurs à mon avis. Alors avec ça, on va pouvoir faire des dessins, des choses intéressantes, on peut changer les couleurs, bien évidemment. Toute une série de panneaux, des planches, des vieilles, hop, 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 des vieilles planches en bois. Alors ça, c'est juste nickel. Un panneau d'affichage rustique. Alors, en quoi il est modifiable? Ne me dites pas que... Oh. Exit. Alors, est-ce que par hasard, Poppins, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est pas mal pour mettre sur des portes. Ça, vous voyez, ça, on s'en sert des... vous l'avez vu passer le rototo vite fait, là? Ça, voilà, panneau personnel only, interdit au public, sur les portes. Ah, ben voilà, voilà, on va s'en servir dès samedi dans notre... voilà, tout ça, c'est la même, le même concept que ça. Alors, et cette enseigne-là... Ah ouais, elle est assez originale. Eh bien, écoutez, ensuite, décor. Donc, on avait déjà vu des... Ah, des palettes! Eh, ça, pour les backstage! Pour les backstage! Ensuite. Ah,
Ah, pour faire de la clôture, c'est très bien ça. Des rondins diverses, hop, de tailles diverses. Excellent. Alors, ça, on peut le baisser pour faire des ondes. Ah, c'est pour. Ok. Pour les allées. Eh, c'est ultra sympa. Ultra sympa. Et ensuite, ah bah voilà. Là, on a du dessin un peu psychédélique, mais intéressant. Effets spéciaux, il n'y en a aucun de nouveau. Je suis post-formatistique, non. Alors, est-ce que c'est un animatronique, cette bestiole? Oui, certainement. Eh ouais. Et un truc en bois. Voilà. Bon, c'est un peu. C'est un peu. Je sais pas, je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas. Alors, ensuite, architecture. On va faire pause parce que sinon. Alors, on va mettre plusieurs murs. Oh là 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 là. Il y a de la petite planche à mettre au sol. Bougez pas. On va faire un truc très simple. On va déjà regarder. Alors, au niveau des murs. C'est un peu fouillis tout ça, mais j'essaye de vous faire voir le maximum de choses nouvelles. On va se remettre là. Alors, on a du toit. Ah ouais, du toit rouillé en fait. Ouais, ça c'est pas mal du tout ça. Ça, très bien. Ensuite, on a du mur en toile ondulée. En tôle, en toile. Alors déjà, le mur en bois comme ça, on va. Ah là. C'est ça que je voulais faire. Alors, une espèce de petite mosaïque. Ok. Ah. Ah oui. Wow. Il y a ça pour le koala, le 5 et. Ah ouais. Ah ouais. Ça, vous êtes en train de vous mettre en tête tout ce qu'on va pouvoir faire. Allez. Du dingo. De plusieurs couleurs. Ok. Pareil, du koala, n'importe quoi. Du gourou, du gouillou, comme dirait ma soeur quand elle était petite, elle disait gouillou, du kangourou. Koala, 5 de plusieurs couleurs. Ok, nickel. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, une map de l'Australie, ça pour mettre. On va le mettre là pour le voir mieux. Ah, ouais. Ouais, si vous faites pour faire la thématique Australie, c'est juste parfait. Alors, ensuite, ça, je pense que ça reprend. Voilà, ça reprend ces trois trucs-là. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ça reprend les trois thématiques. Mais ça, pour faire du décor mural, c'est plus que sympa. Ensuite, des planches. Bon, bah, les planches, ça peut toujours servir à tout et à plus de choses qu'on ne croit. Ok, donc c'est des vieilles planches rustiques. Alors. C'est des bases de poutre en quoi? C'est bizarre ça. Grande poutre, intersection. Ah oui, d'accord. Hop. Et on crée des. Ah, oh, ok. Ok. Ça va pouvoir servir à pas mal de choses. Petite poutre en fer. Ok. Ah. Des tableaux, encore de la déco, encore du truc psychédélique. Ok. Alors, store et façade. Magnifique store en tôle ondulée avec un kangourou dessus. Alors, on est d'accord que quand le store est comme ça, on voit ça que d'au-dessus. Peu bizarre. De quoi décorer? On en discutait avec Charlotte. Les télés, les trucs d'affichage, ça, c'est pas mal. Ça doit être plutôt pour mettre à l'entrée d'un magasin. Bah écoutez, ah, oh là là, ok, du toit en carbone. Ah ouais, c'est pas fini les enfants, c'est pas fini. Plaque de toit ondulée, on en cherchait. Ah, ils ont fait plein de trucs, fibre de carbone, on va pouvoir faire des. Oh là 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 là, ok, d'accord. Ah. Je vous dis, c'est juste insane ce qu'ils font souvent. Sol ton ondulé. Alors attendez, me dites pas qu'ils ont fait de manière. Oh si, ils ont réfléchi à ça! Magnifique! Magnifique! Plancher en bois, on l'avait déjà vu. Bon, ça, c'est les corniches de toit qui vont. Ok. Qui vont avec tout ça. Écoutez, franchement, ça sent bon cette histoire. Les murs, je crois qu'on a fait le tout. Ah, on avait. Oh!
des tiges courbées, des... Oh là 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 là. Métal rouillé. Pardon. Et toujours des trucs en toile, en tôle ondulée que je suppose on peut... Voilà, jaune. Qu'on peut changer. Eh ben ça va nous rajouter des possibilités tout ça, mes aïeux. Alors ensuite, les arches on les a vues, les décors structurés, il n'y en a pas. Tout ça on l'a vu il me semble, ça on l'a vu. Ça il n'y avait pas, et ça les enseignes on les a toutes vues. Ouais. Alors, je voudrais essayer vite fait, avant qu'on passe à autre chose, à vérifier s'il n'y a pas eu d'autres éléments qu'on aurait ratés. Il me semble pas, parce qu'après dans la mise à jour, c'était plus... ouais, non. Voilà. C'est pas ça l'idée. Alors, pack de contenu, tac, on l'a déjà fait. Thème, Arctique, Australie, Planète Zoo, Nouveau Monde. Classique, on les connaît, je pense, ouais, donc c'est bon. Ah là 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 là, là c'est énorme. C'est pas mal, hein. Là, on a quand même une sacrée mise à jour, encore une fois. Alors, nature, je voudrais juste vérifier, s'il vous plaît. Ah bah non, le jeu peut pas bugger, là. Le jeu ne peut pas bugger, enfin voyons. Qu'est-ce que, voilà, pour donner un ordre d'idée de ce qui est faisable avec, voyez. Et ouais, c'est pas mal quand même. Hein. On peut faire des trucs bien intéressants. Alors, ça, c'est les petits. La nouveauté, c'est les logos. Alors, on peut les trier par prix, par type, décroissant, par nom, par type. Voilà. Par nom. Et. Voilà, donc il y a quand même, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était un peu dans... Ah, c'est ça, c'est le gros, ça c'est le petit, surtout pour cela, voilà. Là, par exemple, on sait que le plus gros, ça va être celui-là. Ensuite, on a l'intermédiaire, et ensuite, on a le petit, voilà. Et ça, ça va peut-être accélérer le système, ça c'est pas mal du tout, ça va, je pense, accélérer le... un peu... Pardon. La manière de construire, en fait. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Je voulais aller voir un truc. Je voulais aller voir une chose. Déjà, on va faire lecture. Je vous explique pourquoi j'ai mis des animaux en quarantaine. Vous vous en doutez bien, pour qu'on puisse assez rapidement les voir. Donc, pack Australie. Non, ok. Il n'y a pas de nouveau service. Ah oui, c'est ça que je voulais retirer. Alors. Ah oui, c'est vrai que lui... Il est déjà là. On va aller s'occuper tout de suite de ça. Il est où? Il est ici. Et on va essayer de le voir. Alors, je trouve pas génial qu'ils aient foutu tous ces trucs en travers. Je trouve ça un peu... C'est un peu nul. Ah! Ils ont changé ça pour qu'on puisse voir les deux en même temps. Excellente idée! Alors, pardon. On va faire un truc rapide. Paramètres. Interface. Jeu. Paramètres économiques, tout alimenté, voilà, garder l'eau propre, appliquer, ok, voilà. Donc la température, il faudrait qu'elle soit un peu plus basse, et c'est nettement mieux que l'or rond à la con, hein. On est d'accord. Il a quand même pas besoin de pas mal d'humidité, le petit 5, hein. Ça c'est excellent, ça c'est une très bonne idée, merci Frontières, installation, hop, cachette, lampe, basse, ok, c'est pas mal. Alors, où est-il, ce 5? Où est-ce que t'es planqué? Ah, on s'en fout. Il est où ce con de 5? J'ai des problèmes de vue, ou parce que c'est quand même un gros truc normalement. Ah, bah. Ah, bougez pas, on va essayer de le trouver autrement. On va faire comme ça.
Hugo, t'es où, Hugo? Je ne te trouve pas, Hugo. Où êtes-vous, Hugo? Alors ça, c'est le fail le de l'épisode. On est censé avoir un animal là-dedans et je le trouve pas. Elle est quand même forte cette idée. Il est où? Où are you? On va faire ça à l'animal et on va centrer la caméra dessus. Hein. Ah, on peut pas? Pourquoi je peux pas? Je sais pas où il est. Allez, c'est alors ça, c'est pas mal. Écoutez, tant pis, on verra ça plus tard. Alors, je sais que normalement, il y a échange d'animaux. Alors, Max le koala, viens par ici, déplacer, on va te mettre là. Audrey, on va te déplacer, on va te mettre là. Marley, on va te déplacer, on va te mettre là. Koala là, koala ici, et les kangourous. Déplacer et te mettre là. Voilà. Alors, c'est juste pour qu'on les voit. Hein. Oh! C'est, oh là là là, la beauté de la chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette trognole. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous l'annonce tout de suite. La franchise qui va suivre, donc l'épisode sortira demain, la nouvelle franchise, ça sera Australie. Hein. On va appliquer tout de suite le pack. Il y a quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de mieux que pour voilà. Que pour voilà. Et voilà celui que j'attendais. Regardez-moi cette sexitude. Cette beauté. Cette oh là là, cette sensualité d'animal. Salut! Ah ouais, la classe, la classe, la classe, la classe! Ensuite, ils ont toujours pas mis là. Alors est-ce que notre ami le koala... Ah non, il s'est mis là. Ah je sais, c'est pas très très bien aménagé, mais c'était juste pour qu'on voie votre ogne, les amis. Regardez-moi ça, regardez-moi ça! Ah j'en peux plus. On va attendre les deux autres animaux et une fois que ça sera fait. Alors, le cassoar, où es-tu? Ah ouais, c'est une grosse bestiole quand même, le cassoar. Bonjour, monsieur le cassoar. Oula. Yeehaw! Voilà. Voilà, le cassoar. Le cassoar. Oh là là là. Ah, ce petit jump. Ce petit jump des familles. Accélération, histoire qu'on voit le kangourou. Et on clôturera ça là. Et arrivée du kangourou en live. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Attends, j'arrive pas à te suivre. Allez, tout de suite, allons. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh, ah! Bon! Alors, c'était une présentation un peu fouillie, je le reconnais, un peu spéciale. De toute façon, on va avoir l'occasion dans la franchise de bien mettre en avant ce nouvel DLC. Je vous rappelle le programme, donc demain, premier épisode de la franchise Express numéro 2.
Après-demain, rien. Samedi et dimanche, live sur Twitch à 20h30. Dimanche, peut-être un peu plus tard. Un peu, c'est ce que dimanche 30, je vais malheureusement fêter mes 41 ans. Voilà. Donc, je ne serai peut-être pas là dispo tout de suite à 20h30, mais ça devrait être 21h au pire. Allez, c'était Cébus. C'est une présentation extrêmement rapide et un peu fouillie de la DLC et de la mise à jour qui est tombée aujourd'hui. Allez, tchuss.